fauché par la mort à l'âge de 25 ans, Piche Geldof laisse l'image d'une jeune femme un peu rock'n'roll, mais surtout d'une maman épanouie. Avec Estella 23 mois et Fadra 11 mois, la fille de Bob Geldof avait enfin donné un sens à sa vie. Inséparable de ses bébés, la socialite les a même gardés avec elle à l'heure de sa disparition. Lundi, l'époux de Piche Geldof, Thomas Cohn, s'inquiétait de ne pas pouvoir joindre au téléphone sa compagne. Pris de panique, il a demandé à l'une de leurs amies de se rendre à leur domicile. C'est là que le corps de la journaliste et mannequin a été découvert. À côté d'elle, son fils Fadra ne semblait pas comprendre la situation. Un proche du couple a effectivement précisé au SAD que ce petit garçon âgé de moins d'un an est trop petit pour réaliser ce qu'il s'est passé. La première autopsie réalisée sur la dépouille de Piche Geldof a été jugée non concluante. L'analyse toxicologique devrait, elle, rendre son verdict dans quelques semaines. Pour le moment, le tabloïd britannique pointe du doigt le régime, pratique de la jolie maman, comme cause de sa mort. Piche Geldof vivait quotidiennement des jus de fruits mixés et parfois, uniquement serein. Depuis sa disparition lundi, le compte Instagram de la défunte a été supprimé. Ses obsèques devraient avoir lieu dans la même église du camp, où elle a dit oui à Thomas Cohn en 2012, et où sa propre maman Paula Yacht a été